Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous faire une invitation. Le jeudi 28 septembre à 19h30, ce sera la soirée Sexy Zen Happy. Qu'est-ce que ça veut dire Sexy Zen Happy? Sexy d'abord, ça n'a rien à voir avec des vêtements affriolants ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est d'être bien dans son corps. Zen, l'esprit en paix, happy, le cœur joyeux. Donc c'est la démarche holistique, c'est le propos aussi d'un livre que j'ai publié il y a 10 ans. Que je publie à nouveau dans une version revue et améliorée, si on peut dire, comme on serait tous supposés de faire, je pense, au courant de notre vie. Alors, ce sera ça le concept de cette soirée qui est complètement gratuite, que vous pouvez écouter dans le confort de votre foyer, que vous allez pouvoir réécouter même par la suite. Mais c'est peut-être de se prendre un moment ensemble pour se faire un petit bilan, de dire on en est où, qu'est-ce qui nous ferait le plus de bien, qu'est-ce qu'on a à libérer peut-être dans notre vie, de quoi on doit se départir, qu'est-ce qu'on aurait avantage à laisser aller pour être un peu plus léger, joyeux, serein, profiter pleinement de la vie. Parce que c'est là que ça nous mène, ce fameux concept de Sexy Zen Happy. Donc moi, j'ai très envie de parler avec vous des vraies affaires, de se dire les vraies choses, c'est-à-dire, je pense que tout le monde, à un certain moment, ben, puis tout le temps, tout au long de notre vie, on vieillit, n'est-ce pas? Donc, il faut peut-être apprendre à accueillir ce processus de vieillissement davantage. Avoir clair aussi dans ce qu'on vit, dans ce qu'on expérimente, dans ce qui est même parfois souffrant. Mais pourquoi c'est souffrant? Est-ce qu'on peut, pour une fois, se regarder avec lucidité, avec beaucoup d'amour, bien sûr, mais voir pour vrai ce qui se passe? Moi, je suis beaucoup dans ce processus-là actuellement. Dans le processus aussi de me demander, mais qu'est-ce qui me fait pétiller vraiment? Qu'est-ce qui m'allume dans la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? À quoi j'ai envie d'œuvrer? Quand je dis qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt qu'est-ce que la vie veut faire à travers moi aussi, d'être à l'écoute de ça, de répondre à ça. Alors, je vais revenir sur quelques-uns, évidemment, des sujets du livre qui, pour moi, ont été vraiment importants il y a 10 ans. Et à nouveau actuellement, c'est spécial hein, parce que c'est le livre que j'ai mis le plus de côté dans les 10 dernières années, ce livre-là, Sexy Zen Happy, et c'est celui dont j'avais le plus besoin. C'est souvent comme ça que ça se passe dans la vie, n'est-ce pas? Alors, je vais oser plus de vérité avec vous, plus que jamais, parce que je pense que c'est important. Je l'ai vécu récemment avec des amis, j'ai osé parler de certaines choses pour me rendre compte que, qu'on se ressemble. On se ressemble tellement plus qu'on ne le croit. On n'est pas tout seul. Des fois, quand on vit des choses, on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ça. C'est rarement le cas. Alors, qu'est-ce que ce programme? En quoi ça consiste? Bien, ça parle, évidemment, oui, je vous l'ai dit, de libération, de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Là, je suis en train de tourner les pages. C'est ça, quand j'ai le regard qui baisse. La maison, être bien dans son corps, c'est être bien dans sa propre maison, en quelque sorte. Mais ça a une extension vers où on habite, vers où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on voyage? Où est-ce qu'on travaille, etc. Donc, on va parler de ça aussi. Je vous l'ai dit, de vérité, ça, c'est primordial. Et c'est probablement le plus gros morceau de cette soirée du 28 septembre prochain. De communication, de lumière aussi, de tout ce qui peut nous accompagner, nous aider, qui dépasse le cadre de ce qu'on connaît. Est-ce qu'on peut s'ouvrir à quelque chose de plus grand? De plus mystérieux aussi souvent. Et bien sûr, on va se reparler de symbolique, de signe, de synchronicité, parce que j'allais dire vous, mais on aime tellement ça, n'est-ce pas? Hein? Quand ça arrive, comment on peut être un peu plus guidé pour trouver notre équilibre, pour trouver notre voie, pour être sexy zen happy, pour être bien dans son corps, l'esprit en paix et le cœur joyeux. Alors, j'ai extrêmement hâte de vous retrouver. Ça fait longtemps, il me semble. Le 28 septembre prochain, 19h30, vous allez avoir le lien pour vous inscrire à cette soirée. Parlez-en à vos amis. Plus on est fou, mieux c'est, n'est-ce pas? Plus on rit, puis on est aussi bien d'en rire, parfois. Ça fait beaucoup de bien, ça aussi. Alors, mes chers amis, je vous embrasse et j'ai hâte au 28 septembre. Alors, à très bientôt. Ciao tout le monde.